Salut à tous, c'est le Dad. On se retrouve aujourd'hui pour la réfléchie 27 de Snake. Toujours des parcours hard fun en T20. Je sais pas si c'est fun pour tout le monde, mais moi je surkiffe. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de la vidéo pour faire sa course. Je mettrai le lien de la course en description ainsi que la course que je ferai dans la prochaine vidéo. Comme ça, si vous voulez. Comme d'habitude, la tester avant que je publie la solution. Puis bah, let's go, hein, toujours en T20 pour l'instant. On va changer, on va prendre les F1 en roue F1. Puis bah, let's go, c'est parti. Alors là, premier troll dès le départ. Il y a un passage devant à droite, mais faut pas y aller. La solution, c'est là-bas derrière. Donc tout de suite, on fait demi-tour. On passe derrière. On tourne. Hop. On rentre dans le parking. Si, on va passer en dessous là. Arrivé là. Voilà, je m'en doutais un peu. Et là, on va pleine balle à fond sur le point. Et arrive ici. On jump. Ce qui fait qu'on a le point. Là-bas, c'est bouché. Par-dessus ça, on peut pas ressortir. Et là-bas, il y a une petite rampe invisible. Hop. Et là, on sort. Ensuite, les prochains points sont faciles à attraper. Hop. Quand même compliqué. Tout simple, tout simple. Là, on retourne là. Ici. On rentre là. On contourne tout. On voit le point qui est là. Est-ce qu'on peut passer? Bon, on va contourner l'église. Je sais pas quoi. Tac, le point là. Ensuite, le point est dans cette box. Donc pour aller chercher, on va contourner la box. C'est ici. Là, il y a un tuyau. On va aller ici, dans la petite allée. On va passer là. Et ici, ça va bien passer, voilà. On peut voir qu'il y a une rampe. Donc on se met bien droit. Et on accélère un peu. Tac. On va sortir par là. Hop. Et attraper le point qui est là. Alors tu un peu. Et pour sortir, faut prendre cette rampe là. Mais faut pas la prendre trop vite, sinon on va taper le truc noir en haut. Hop. Une fois qu'on est sorti, on va rechercher les points sur la route. Il n'y a rien de compliqué. Tous les prochains points sont faciles à prendre sur la route. Juste à contourner parce que
Ça aurait été trop simple. Le point il est là. Hop. Ensuite là faut passer là, attendre que le portail s'ouvre. Hop, passe à gauche. Tac. Là on retombe sur la route. On va passer là. On fait demi-tour. On contourne tout. Rien de compliqué hein, comme je vous dis. Tac. On prend le point, on continue tout droit. On va vers la rampe de skate. Hop. Là, on fait demi-tour. On va chercher le point qui est dans le canal. On va passer au-dessus. Alors là, pour le prochain point, c'est une cascade unique, hein, on la connaît. Mais n'y allez pas pleine balle, parce que là, il y a un... Là, je crois qu'il y avait un ralentisseur. Bon, let's go. Ok, bah... C'est plus rapide, en fait. Hop, donc on continue. Toujours pareil, là, les points sont simples. Là, prends le point, on tourne tout de suite à droite. Hop. On repart sur la route. Rien de compliqué. Tac. On va arriver ici. On va passer à droite du panneau de Del Perro. Prendre le point qui est là. Faire un petit saut. Hop, pour aller sur la plage. Tac. Hop, excuse-toi. On prend le point qui est ici. On passe en dessous le ponton. Hop. On va chercher le point là. Alors là. Le point il est là-bas sur l'eau derrière tout. Donc tout ce que vous verrez ici, il n'y a rien qui y mène. Là faut juste faire demi-tour. Puis on s'en va. L'arrivée là, on passe en dessous le pont. On va aller sur la gauche et on va découvrir une rampe qui est là. Donc on va prendre la rampe. Voilà, sans se prendre le lampadaire. Et on va passer dans le petit canal qu'on a déjà fait plein de courses Rockstar avec le jet ski ici. Donc il n'y a rien de compliqué. Il y a juste la partie finale entre guillemets de cette course qui est un peu plus technique. Donc l'arrivée sur la plaque. On va à gauche, il y a un petit trou dans le mur. On va chercher le point qui est ici. Là, on repasse par où on est venu. Hop. Prendre l'autre point qui est là. Et là, on va tout droit. Tac, le point est là. Donc là, je vais essayer de one shot. Hein. On va voir si j'ai vraiment une bonne mémoire. Parce que là, les points, ils sont sur cette structure. Il y en a en haut, en dessous, à côté. C'est vraiment pour nous troller. Donc là, le premier point, tout simple, on va à l'intérieur. Le point est là. Là, on fait demi-tour. On va prendre la rampe bleue. Là, le point il est sur la route surélevée noire et blanche, juste là. Tac. On va revenir sur nos pas. Hop. On va prendre la rampe rose.
va aller à l'intérieur. Il était derrière. Donc on va longer ici. Tac, pour voir le point qui est là. De la rampe rose, on aurait pu passer là directement en fait. Enfin, de la rampe rose là-bas, monter sur la bleue et là on contourne ici au lieu de passer à l'intérieur et faire le tour. Ensuite, normalement il est à l'intérieur. Exactement. On rentre à l'intérieur. On refait demi-tour. Là, on reprend la rampe rose qui est ici. C'est que ça. Hein. Suivez bien. J'essaye de pas me louper, moi. Tac. Là, ce coup-ci, on passe à l'intérieur. Et le point, il est tout au bout. Là, le point il est de l'autre là-bas. On va revenir sur nos pas. Hop. Ensuite, il doit être là, hein. Tout simplement. Voilà. Une fois qu'on est là, on va descendre la petite rampe bleue qui est sur la droite là. En faisant attention de ne pas tomber. Là on fait demi-tour. On va atterrir sur la route noire et blanche qui est ici. Pour ce faire, on va faire comme ceci. On va se laisser tomber. Hop. En essayant de ne pas tomber par terre. Parce que là, c'est limite. Et le point se trouve juste là. Une fois qu'on est là, on peut aller au sol. Le point est sur la plaque jaune et noire qui est là. On pourrait y aller. Hop, on va contourner le PDG et Del Perro qui est ici. Et on peut voir qu'il y a un tuyau là. On monte le tuyau. L'arrivée en haut du tuyau. Sans trop de vitesse, on va atterrir sur le truc de l'héliport. Bon après, si vous vous loupez, c'est la T20. Elle monte facilement. Donc là, si vous arrivez avec pas assez de vitesse, vous n'avez pas de crainte à avoir. Et là, on se dirige tranquillement sur le point. Alors la petite technique... Pas technique, il faut du skill. Il va falloir atterrir sur la route surélevée noire et blanche qui est là sans atterrir trop tôt et sans tomber derrière. Là on y va avec un peu de vitesse et dès qu'on est là on freine. On a le point qui est juste là. Donc soit vous faites, je voulais rester en haut mais c'est pas grave. Donc là il va falloir atterrir maintenant parce que de toute façon si vous trompez quoi que ce soit vous respawnez. Vous êtes ici, et là il va falloir aller sur la route noire et blanche qui est là. Donc là c'est assez chiant. Mais j'ai réussi du premier coup, donc ça va. Il faut assez de vitesse, et pas aller trop vite pour pas taper la route du dessus. Et si vous n'avez pas assez de vitesse, bah, vous tomberez au sol. Donc c'est assez chiant à faire en fait. Là, on va retourner sur la grande plaque noire du départ. Là techniquement je crois qu'il est ici. Et non. Alors un fail sur tout ce que j'ai fait savoir. Donc là on va prendre la rampe bleue qui est là. Ce sera plus simple. Tac. Voilà. Là on va atterrir sur la route noire et blanche qui est ici. Et là on va atterrir au sol. Pour avoir le point final qui est juste là. Donc bah, j'espère que ma petite solution pour cette course troll de Snake vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu besoin de ma vidéo pour y arriver.
certainement pour le passage derrière la fête foraine, c'est qu'il faut passer dans le petit canal en dessous. Je pense que faut le chercher celui-là. Puis n'hésitez pas surtout à tester la prochaine course que je ferai en vidéo. Allez voir dans la description, il y a le lien. N'hésitez pas non plus à follow ma chaîne Twitch. Je suis assez régulièrement en live sur Twitch. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Up in the air, I want you to jump. Jump.